Bonsoir, bonjour les amis du Journal Catalan. Aujourd'hui, je suis venu jusqu'à Saint-Laurent-de-la-Salanque pour vous faire connaître la famille Formenti qui, de père en fils, depuis 1937, monsieur va nous confirmer, est concessionnaire tout simplement en Citroën à Saint-Laurent-de-la-Salanque. Alors, monsieur Formenti, vous avez fait un beau discours tout à l'heure, court mais beau. Ah, il y avait l'émotion qui parlait. Ah ben c'est l'émotion. Quand on parle de la famille, de ce qu'on fait, c'est toujours émouvant. Surtout quand on est entouré de ses amis qui répondent présents à nos sollicitations. C'est... Voilà, c'est grisant. Monsieur Formenti, ici présent, a vu son papa travailler dans cette concession et voit en ce moment ses enfants travailler dans cette concession. Ah non, pas tout à fait. C'est-à-dire que cette concession, c'est mon papa qui l'a créée. Ah, voilà. Mon grand-père avait créé un autre garage qui était avenue de l'aviation à Saint-Laurent-de-la-Salanque. Mon papa a créé ce garage en 1975. Moi, j'ai créé ce garage, j'ai repris ce garage et j'en ai créé un autre à Limoux. Route d'Allée. Voilà, oui. Où il y a l'équipe ici ce soir, d'ailleurs. Depuis le 2 juillet 97, d'ailleurs, je suis sur Limoux. Voilà, il y a l'équipe de collaborateurs qui est descendue de Limoux. Donc vous êtes la famille la plus ancienne qui enfin, vous êtes plus présent chez la marque Citroën que les propriétaires eux-mêmes de la marque, finalement. Non, eh ben, c'est clair. C'est clair. Depuis 1937, non, garagiste. On est Citroën depuis l'après-guerre. D'accord, pardon. Voilà. Et si vous voulez, la plus vieille famille, d'ailleurs, d'où leur garage a démarré la croisière jaune d'André Citroën, était le garage de Méruès, un peu dans le centre de la France, oui. Si vous connaissez. Oui. Et ils ont arrêté leur activité il y a environ 4-5 ans. Voilà, donc c'est nous qui avons repris le flambeau, tout simplement. Mais... Oui. C'est surtout sur la fidélité. Alors aujourd'hui, vous avez invité votre clientèle parce que vous avez rénové votre garage, vous avez agrandi la surface du véhicule d'occasion, véhicule neuf à l'intérieur, c'est ça ? Oui, tout à fait. On a refait un hall, on a prévu un hall beaucoup plus grand parce que la gamme C va s'élargir parce qu'on attend quand même pas mal de modèles jusqu'en 2020. On a la gamme également DS sur lequel on a fait un petit salon DS, un peu plus cocooning dans les tons de noir, etc. Et en même temps, on a refait tout ce qui est chrono-service et tout ça parce que bon, voilà, on est des annuels, mais on est aussi des saisonniers pour parer un petit peu aux problèmes que peuvent rencontrer les vacanciers quand ils viennent en vacances chez nous. Alors Saint-Laurent, c'est la capitale. Ici, vous vendez 800 véhicules par an à peu près, utilitaires, voilà, tout confondu. Le groupe vend 800 véhicules entre le 11, parce qu'on a un morceau du 09 également, canton de Kerigut, et le 66, d'accord, où nous sommes implantés. Sur trois sites. Et comme on dit en catalan, c'est un prendre d'avant. Allez, à bientôt les amis. Je suis un catalan depuis Ressouche. Ciao, ciao.